Donc, alors, le glaucome progressif vraiment. Donc là, je vais plutôt parler du versant périmétrique. Alors, donc, on sait que la progression, c'est une dégradation significative, hein, structurelle et fonctionnelle, résultant de la neuropathie optique glaucomateuse. Elle est différente d'une fluctuation. Hein. Les fluctuations intertestes peuvent être liées à l'examen, au patient, à la maladie. Donc, d'où la nécessité d'une certaine durée de suivi et d'un nombre suffisant d'examens avant de confirmer une aggravation. Donc, la progression, par définition, c'est une aggravation significative différente d'une simple fluctuation intertest. Alors, les facteurs de risque de progression, vous les connaissez. Chez notre patient, ils sont soulignés en rouge. Donc, une fluctuation de la PIO, une cornée fine, des hémorragies pupillaires, notamment à l'œil droit lors du suivi, son âge et l'existence d'une hypertension artérielle. Les autres facteurs de risque de progression, ce sont les altérations structurales. On voit que chez notre patient, on a des atteintes focales du disque optique, surtout à droite. On a des atteintes du complexe maculaire à gauche. Et on a aussi d'importants déficits, notamment paracentraux, qui sont aussi prédictifs de la progression. Alors, au niveau du relevé des champs visuels initiaux, bon, ils sont faussement rassurants. On a une marche nasale à droite, mais on a un déficit juxtacentral, et à gauche, un déficit juxtacentral aussi. Alors, on est plutôt dans la catégorie glaucome débutant que l'on va moduler après du fait de l'existence d'un déficit central. Dans le glaucome débutant, je vous rappelle quand même l'intérêt aussi des périmétries non conventionnelles, comme les périmétries bleu-jaune et l'UFDT Matrix, puisque en périmétrie conventionnelle, les déficits vont évoluer beaucoup moins vite que les altérations structurales. Dans les atteintes, alors toujours bien penser à avoir l'esprit des atteintes précoces des fibres maculaires, et notamment dans les glaucomes prépérimétriques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 20% des déficits au 10-2, que l'on retrouve au 10-2, mais dans les glaucomes débutants, on peut retrouver des déficits au 10-2 de 30 à 50% des cas. Donc faire un 10-2 systématique dès l'instant où on a un doute, hein, sur une atteinte paracentrale et suivre le patient au 10-2. La périmétrie automatisée standard, vous le savez, donne deux possibilités d'analyse, des analyses de tendance et des analyses d'événements. Le GPA, donc le Guided Progression Analysis de notre patient, donc vous avez le relevé pour chacun des deux yeux. La partie supérieure, en fait, est réservée et dédiée à l'analyse de tendance et notamment à l'établissement donc du VFI, donc le Visual Field Index, qui est exprimé en pourcentage, c'est-à-dire en fait c'est le rapport du VFI du patient sur le VFI du sujet normal. Il exprime en quelque sorte une capacité visuelle périmétrique résiduelle. À droite, il est de 93%, à gauche de 89%. C'est un index pondéré, hein, les zones centrales sont davantage pondérées que les zones périphériques, donc en théorie, ça pourrait être intéressant dans notre cas, mais on voit que néanmoins, les VFI ne sont pas très altérés. Et lorsque l'on analyse donc la suite, enfin l'évolution des valeurs du VFI, on obtient donc une pente, et cette pente nous indique une vitesse de progression qui nous permet aussi d'extrapoler, d'anticiper un petit peu sur l'avenir. La pente de notre patient, aussi bien à droite qu'à gauche, elles sont identiques. Donc la pente est relativement faussement modérée, en fait, hein. En ce qui concerne l'analyse d'événements, donc c'est la partie basse du relevé, hein, c'est une analyse point par point, et le GPA nous donne également un message d'alerte. Hein, dans notre patient, à droite, on a une progression probable, et à gauche, on a une progression possible. Alors, les analyses de tendance et d'événements sont complémentaires. L'analyse de tendance, c'est un aperçu d'ensemble. Il permet de catégoriser les patients s'ils sont progresseurs lents ou rapides. Il permet une projection, une anticipation. Mais il nécessite au moins 6 examens et une période de suivi minimale. En revanche, les analyses d'événements sont des études précises, point par point, qui signalent une progression récente. Et surtout qui vont nous permettre de suivre les progressions localisées, notamment voisinant le point de fixation. Et là, ce sera très important dans le cas de notre patient. En conclusion, donc, pour un bon suivi de progression, je vous rappelle qu'il faut des examens fiables,
utiliser toujours la même stratégie et réaliser au moins 3 champs visuels par an. Dans le cas de notre patient, on a une progression modérée, significative, mais cependant avec une menace du point de fixation à l'œil droit, d'où la nécessité, alors j'insiste sur la nécessité de confronter donc la périmétrie avec la clinique et aussi bien sûr avec l'analyse de structure qui donnera des éléments déterminants également. Je vous remercie.